Dans le fond, la Grande Traversée, c'est une exposition qui est un peu expérimentale parce que ça fait le tremplin entre mon ancienne pratique en peinture puis la nouvelle un peu. Donc, il y a un tableau qui date un petit peu plus, qui montre un peu mon ancienne pratique. Il y a un tableau qui est un peu la transition, puis le reste, c'est tous des tableaux de la nouvelle production que je suis en train de faire. Puis entre ça, pour faire comme un lien, il y a aussi des éléments plus graphiques qui sont intégrés au mur, que ça fait depuis 2 expositions que je fais ça, puis j'adore ça. Je trouve que ça amène un côté installatif plus intéressant, ça englobe plus le spectateur, puis en même temps, c'est plus un défi, parce que justement, il y a un côté in situ qui fait que... quand j'arrive dans un lieu, ben je joue avec le lieu pour créer justement une œuvre d'art qui est un peu plus englobante, plus totale aussi, qui fait que en mettant ça, puis en créant une installation, je joue beaucoup sur la narration que ça va créer. C'est ça qui est important, c'est que ça crée comme une histoire, puis c'est ça. C'est ça qui fait le lien entre tous les éléments, d'ailleurs. Dans La Grande Traversée, c'est un très bon exemple de ça. Je pense que c'est comme un genre de trajet qu'on fait, là, puis qui amène une histoire que tout le monde peut interpréter à sa façon, là. Quand j'étais jeune, ben, je faisais beaucoup du dessin avec ma grand-mère, tout ça. Puis, arrivé à mes choix de cours, ben, je suis allé au cégep en art. Puis là, j'ai découvert que c'était une vraie passion, dans le fond. J'ai rencontré des gens aussi qui m'ont beaucoup inspiré, puis tout ça. Puis finalement, ben, j'ai décidé d'aller aussi au bac. Puis j'ai fait après ça ma maîtrise. Fait que tout s'est fait, puis naturellement, puis tout d'un coup. Puis c'est là que tout ça a commencé. Puis la peinture a toujours été ce qui était le plus important dans ma démarche artistique. Il y avait aussi un lien avec l'installation, mais c'était vraiment la peinture. Puis plus tard, justement, j'ai beaucoup travaillé à des événements qui mettaient l'emphase sur la peinture au Québec. Avant, j'étais beaucoup influencé par la bande dessinée, surtout par justement beaucoup la bande dessinée italienne, les Fumetti, des dessins très graphiques aussi, comme les Américains, comme Charles Burns, Daniel Clow. Puis maintenant, j'ai vraiment une grande influence puis du groupe des Sept qui font du paysage canadien. C'est vraiment ce qui m'inspire beaucoup en ce moment. Ainsi que d'autres peintres qui travaillent un peu le paysage, comme justement un qu'on a vu à Montréal dernièrement, Peter Dog, qui est vraiment un peintre que j'admire beaucoup aussi. Et avant, je travaillais juste en acrylique. C'était beaucoup des aplats de couleurs. Je pouvais mettre une dizaine de couches pour que la couleur soit vraiment là, opaque. Maintenant, ça a beaucoup changé. Je suis rendu que je travaille avec l'huile. Je trouve ça plus intéressant justement pour le travail en paysage. Ça me permet une plus grande versatilité. C'est quelque chose aussi qui reste dans l'âge, qui est meilleur pour la conservation. Puis aussi, il y a une grande tradition en peinture à l'huile vraiment intéressante. Beaucoup de techniques aussi. Je n'ai pas fini d'en apprendre là-dessus. Je suis comme au début. Puis je travaille aussi avec l'aérosol. J'aime bien mélanger ça, faire ben, un peu de la technique mix. Je commence souvent avec l'aérosol parce que je trouve que le traitement est différent, la matière aussi. Ça donne comme un effet vaporeux, comme des petits points qui, par accumulation, donnent une couleur dans le fond, comme un peu des pixels. C'est quelque chose que je trouve intéressant à exploiter aussi. Disons que dans le fond, depuis ma maîtrise, à environ les dernières années, je travaillais d'une façon très bande dessinée. Mon style était très assis, puis je savais où je m'en allais, puis tout ça. Puis j'ai fait plusieurs expositions avec les mêmes œuvres, puis avec des œuvres de ce type-là. Puis un jour, ben tu sais, j'avais le goût que ça change un peu parce que j'avais l'impression d'être peut-être tombé dans une recette ou dans quelque chose
qui était facile pour moi. Donc, j'ai voulu me donner plus de défis. Donc, j'ai changé ma technique pour aller vers l'huile, ce qui est vraiment déjà plus compliqué. Puis, j'ai voulu aller évacuer un peu les personnages, des fois en laisser, mais tu sais, pas que ça soit au premier plan, pour que ça soit vraiment différent. Puis, évacuer aussi le côté bande dessinée, même si des fois, il est encore là un peu, même dans ces peintures-là qui sont un peu plus classiques. On sent toujours l'influence de ça, mais c'est moins au premier plan. Je voulais me détacher un petit peu de ce que j'avais fait pour essayer d'aller plus loin, puis justement évoluer aussi là-dedans, parce que je pense que c'est important de faire un progrès, puis d'aller toujours plus loin dans ce qu'on fait, puis j'espère faire ça aussi. L'immensité de la nature, aussi dans ces peintures-là, c'est aussi le traitement plastique qui est vraiment intéressant, qui était différent. C'était pas juste du paysage, il allait plus loin que ça. Il y avait aussi des fois un côté politique, un côté symbolique. C'était pas nécessairement au premier degré qu'on voyait ce genre de sujet-là ou cette symbolique-là ou le côté politique. Donc c'est ça que je trouvais intéressant, c'était cette subtilité-là aussi qu'il y avait là-dedans qui donnait un certain défi. Puis aussi dans le traitement de l'image, puis les couleurs aussi. Pour moi, c'est vraiment important. La couleur en peinture, c'est ce qui est le plus important. Justement, à Peter Doig, bien, la couleur est vraiment importante, la matière. On voit aussi les influences des peintres comme Gauguin aussi, qui m'ont beaucoup influencé, qui ont vraiment un traitement de la couleur particulier, une approche coloriste, mais aussi formelle, vraiment singulière. Donc, c'est ça. Oui, c'est une pancarte que j'ai trouvée justement en faisant ces explorations-là. Puis j'ai décidé de la modifier un peu puis de la mettre justement en référence aux grandes traversées, les randonnées qu'on faisait, moi et un ami. Mais il y a beaucoup quelque chose aussi de personnel dans mes œuvres. J'espère d'ailleurs qu'on voit ça, un langage singulier qui en ressort et aussi un peu des histoires qui peuvent être personnelles à moi, mais en même temps qui peuvent toucher les autres, puis en même temps qui sont un peu fictives des fois, à la limite, et comme assez ambigu entre le fictif puis le réel là-dedans. Ce que je présente ici, c'est une amorce vers justement quelque chose de nouveau. C'est un peu l'expérimentation vers quoi ça s'enligne. C'est pas, je dirais que j'ai une certaine maîtrise, mais que ça s'en va vers encore plus, encore mieux là. Puis j'ai plein d'idées, puis je commence justement à les travailler là-dedans. Fait que c'est comme une amorce un peu ce que je présente dans cette exposition-là. Puis dans les prochaines années, ça devrait encore plus s'améliorer, encore plus être maîtrisé, je pense. Il y a beaucoup la pensée de la place de l'homme dans la nature. Il y a aussi le côté un peu, si on veut, de la solitude qu'on peut vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de solitude dans notre société. On peut juste voir tout le monde est beaucoup sur le virtuel, moi le premier. Puis je pense qu'il y a comme un peu ça aussi là-dedans. Il y a beaucoup des personnages seuls qui se promènent dans des grands espaces de la nature, tout ça, un retour à ça. Mais en même temps, oui, il y a plein de choses qu'on peut décortiquer qui peuvent être politiques ou d'un aspect narratif ou historique là-dedans. Moi, je viens de Québec, mais j'ai déjà exposé à Montréal. J'ai exposé à la galerie La Roche-Jonca dans plusieurs expos, des expositions collectives qui avaient organisé une expo solo. Sinon, oui, c'est ma première exposition dans une maison de la culture à Montréal. Puis je trouve ça très intéressant. C'est un système bien développé. Puis je pense que c'est vraiment important qu'il y ait de ce genre de choses-là aussi. Parce que ça permet beaucoup aussi à des artistes qui sont émergents de faire leurs premières expositions. Puis ça, c'est une chance parce que des fois, ça peut être difficile. Moi, j'avoue que j'ai fait beaucoup d'expos dans des centres d'artistes, puis j'ai déjà exposé dans des foires puis dans des galeries, mais c'est pas le cas de tout le monde. Puis des fois, ça peut être très bien pour commencer à avoir un tremplin comme ça donné par la ville. Je trouve ça très important. Mon travail, c'est beaucoup promener dans les régions puis tout ça dans des centres d'artistes. J'ai aussi participé à des foires, c'est ça, en dehors du Québec, à Toronto, à Chicago, avec la galerie La Roche-Jonca. J'ai aussi participé à un gros événement qu'il y avait à Vancouver qui s'appelait le Chipper Show. Puis il y a encore plein d'autres projets qui s'en viennent dans l'avenir.